Yo tout le monde, c'est Lunar, on est parti sur le troisième épisode sur Pokémon Soul Silver. Donc en fait, il y a juste un truc à faire, c'est restart sa ROM quand il y a un problème. Et pour restart sa ROM, il faut sauvegarder. Et donc, pour sauvegarder, il faut que je vérifie qu'il n'y a pas de problème d'enregistrement. Donc, il faut que j'arrête l'épisode. J'essaierai de bien faire la prochaine fois. Donc, on est parti sur le troisième épisode. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Je vais encore oublier d'acheter des Pokéballs. C'est dingue. Monsieur Pokéball, je vais t'acheter toutes les Pokéballs du monde, comme ça je vais oublier. Si j'oublie, à la prochaine, ça sera... Bon, d'accord. Ça fait 17. Une Honor Ball. Et s'il y a vraiment le problème, c'est pas possible que j'ai fait 48 minutes sans... Ouais, 48. J'ai regardé sur la sauvegarde, ça faisait 48. Mais au fond, il y avait beaucoup plus, il y avait... J'aurais pu tomber sur un Sharpedo, c'est cool, mais... Ça a bien sauvegardé. J'ai pas les Pokémon soignés. Je sais, je suis chiant. Mais je vais soigner mes Pokémon, d'accord? Oh non, je suis patient, hein. Restez... C'est juste comme ça. Voulez-vous les soigner? On est encore plus nombreux maintenant. T'as encore plus raison de les appeler par le pluriel. Ok. Ou si ça se trouve, elle parle à plusieurs dresseurs en même temps, mais on s'en rend pas compte. Non, ça m'étonnerait. Sharpedo est envoyé, Sharpedo va être crevé, Sharpedo va mourir. Dark Snake va faire pas mal de trucs. Donc on y va tranquillement, pas de problème. J'aimerais quand même XP 2 ou 3 Pokémon. Niveau 2, niveau 4. Ouais, allez, j'ai l'avantage du type. On peut faire une. Ouais, niveau 3, non. Bon, maintenant j'ai un avantage de plus. Bon, j'ai un avantage de plus. Il est paralysé. Je lui fais pas trop dégâts. Il doit avoir une bonne défense et une mauvaise défense spéciale. Et Blackbone a Flamèche, je crois. Donc, ah, pas vrai, t'as Flamèche. Je trouve que j'ai une bonne team. Pour un Nuzlocke, ça commence déjà super bien. En plus, j'ai des Pokémon qui peuvent évoluer. J'ai des. Bon, Barbicha est un peu. Abusé. Qu'un peu. Non. Il est vraiment abusé. Ok, il est vraiment abusé. Construction, normalement... Ouais, ça me fait 2 points de dégâts. C'est une mauvaise attaque, je crois. Bonne défense, bonne attaque spéciale, je crois. Ou gros sac à PV. Ah, enfin une bonne attaque. Et Blackbone, 90 points d'expérience. Monte au niveau 4. Apprend grandement. Ouais, on peut y aller comme ça. Non, ah, tu veux refaire un combat pour reperdre? Ah non, mais... Hors de question, je donnerai jamais mon numéro de téléphone aux inconnus que je... En espérant que t'es pas fulmifère? Non, je pense pas. À ce niveau-là, t'as pas trop de points de vie. Certes, tu pourrais avoir fulmifère, mais à ce niveau-là, t'as pas autant de points de vie que ça.
t'es pas un l'euphorie quand même, t'as pas vache point de vie quoi. Pour me faire vraiment des dégâts, il faudrait que t'aies 22. Non, 24. 24. Bon, vive attaque. J'ai enfin une attaque raisonnable sur Dark Snake. Je vais réussir à le prononcer son nom. Darkness, Dark Snake. Ça te ressemble tellement que. Allez, on évite. De toute manière, les petites roues. Même si y a une route où normalement on trouve des Pokémon pas très très intéressants, vaut mieux y aller pour récupérer des trucs. On ne sait jamais sur quoi on pourrait tomber. Donc, Nirondelle. Ah oui, j'ai fait ligotage, mais en fait, j'ai pas réfléchi. T'as toujours pas d'attaque point zo, hein. Dark Snake n'a toujours pas d'attaque point zo. Commence d'abord avec ligotage, première attaque. Eh oh, je suis un Latia, je viens te buter. Mais t'es sérieux? T'es sérieux, il y a un Latias qui se balade dans un Pokéball d'un ça. D'accord. J'ai bien fait de mettre les légendaires quand même dans les balls, je trouve ça marrant. Ah merde, je lui ai demandé d'économiser. En fait, ce qui est fait votre maman, c'est qu'elle récupère un peu de votre argent. Vous êtes sérieux? Dans ces moments-là, je bénis l'aléatoire. Mais clairement, F chance. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. L'œuf chance. C'est sérieux. Entre noir. Il fait tout noir. Excellent Pokémon. J'ai peur de le tuer en fait. Fais pas de bêtises. On a un joli flore quand même. On a une team de malades. Je vous le dis, on a une team de malades. On a exactement ce qu'il faut pour avoir une excellente team. Comment on peut avoir une team aussi équilibrée Sur un premier coup. Non, n'importe quoi. Bon, il a une capacité qui le rend deux fois plus rapide sous le soleil. Ok, doux parfum. Ça peut être cool pour attirer des Pokémon. Je ne sais pas si je m'en servirai en fait. Je pense pas en fait. Ouais, je t'ai trouvé un prénom, je vais t'appeler Florida.
Voilà un joli prénom. Voilà Florida. La musique est quand même excellente sur l'entonnoir. Hein. Et bizarrement, elle me dit quelque chose. J'ai dû l'entendre quelque part d'autre, mais. Mais je ne sais où. Allez, on va dire que le prochain il a des Pokémon insectes. Au pire, je switcherai sur Dark Snake. Et donc, je vais donner la fiance. Ce qui est quand même excellent. C'est. Le fiance se trimballe comme ça. Cadeau du ciel, cadeau du ciel. C'est moi ou je suis super chanceux? Non, clairement, c'est pas possible d'avoir autant de chance. Je dois être béni. Je dois avoir une certaine bénédiction. D'accord, Jirachi fait un vœu. D'accord. Attends, j'ai Matinal. Ah non, j'ai cru que c'est slow start. C'est-à-dire, vous commencez avec une attaque divisée par deux, une vitesse divisée par deux. Sur les premiers tours. Ce qui est vraiment... dommage. Mais les Pokémon qui l'ont, en général, sont vraiment abusés. Pokémon Insect Vol. Pire, il me fait bulle d'eau, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Je suis niveau 5, il est niveau 2, j'étais super efficace. Il me donne encore full expérience. Mais c'est vraiment de l'XP gratos là. J'ai une chance, mais de malade en fait. Tout simplement de malade. Je trouve pas d'autre mot que de dire ça. Bon allez, je suis niveau 6, il est niveau 3. Je peux me le faire. Même si c'est un Smogogo. Smogogo destruction. Ah oui, il faut que tu fasses gaffe à ce genre de truc. Mais je pense pas qu'à ce niveau-là, il y ait destruction. Non, à ce niveau-là, ils ont pas destruction. C'est fait exprès qu'ils ont pas ni destruction. À ce niveau-là, parce que... Parce que sinon, c'est abusé. Je ne veux pas ton miro, je ne souhaite pas me faire enquiquiner par toi. Bah ça aussi c'est l'XP gratos, donc on prend hein. Moi je suis comme ça, je prends hein, je suis un mec qui adore prendre. Voilà, ça c'est cool. En fait tout se passe pour le mieux, c'est pas possible que ça se passe mieux. J'ai largement de quoi XP. En face de moi, j'ai un Pokémon niveau 8 qui, avec un 9 chance. Je ne vois pas ce qui pourrait bloquer le Nuzlocke maintenant. C'est fini. Le Nuzlocke ne peut plus être perdu dès le troisième épisode, c'est dingue. Bah, d'un autre côté, je voulais faire un Nuzlocke détente, donc... Voilà, mais je pensais pas que ça se... Que... Bon, ok. Je peux tomber sur un Rayquaza dans le maître de la ligue. Ok. Et à ce moment-là, je suis mort.
Mais tu peux aussi tomber sur... Attends, s'ils mettent de la ligue en Rattata. Oh non, ça va être nul. En fait, je sais pas du tout. Mais d'un autre côté, ça... va être nul. Ça va complètement bloquer toute l'atmosphère. J'étais sûr que c'était toi. T'es super rapide. Quand est-ce que tu m'as dépassé? Tiens, pour te récompenser, voilà. Comment je peux avoir des objets si cheatés dès le début de l'aventure? F chance, lunettes noires. Bah en fait, disons que j'ai deux Switch possibles. Donc ça peut être intéressant de prendre l'objet à chance et de le garder pour... Ok, lui je sais que c'est un slow... Attends, 57... vous me... Attendez, 3 × 3 × 3, 3, 9, 27. Attends, c'est un slow? C'est pas possible que ce soit un slow. C'est pas comme ça l'XP. 27. Lui, il est plus slow. Et lui aussi, il est plus slow. C'est pas possible. Sérieux, c'est comme ça? Le moyen est très très... D'accord. Ah, c'est une découverte. C'est une découverte que j'ai. Ça m'étonne même, en fait. Vous savez que les courbes d'XP se comportent un peu bizarrement. Il y en a trois simples. 0,8 n cube, 1 n cube et 1,2 n cube. Et il y en a une qui se trimballe un peu entre les trois, mais qui, au fond... au final, et entre le n cube et le 1,2 n cube. Et en fait, celui-là, je pensais que c'était rapide au début. Sauf qu'en fait, certes, il est très rapide au début, mais sur les tout premiers niveaux, 1, 2, 3, il est très lent en fait. Pour un Pokémon. C'est un truc qui m'étonne, mais... Mais c'est... Ah oui, non, j'aurais dû mettre mon... J'ai pris énormément de risques sur le coup. Bon, je vais envoyer Dark Snake, même si ça va être super efficace. Je vais sûrement pas prendre trop de dégâts. Je vais l'attaquer au ligotage en fait. Je pense que c'est une bonne option. En fait, je peux pas avoir une meilleure team. Je ne peux pas avoir une meilleure team. Je vais pas tenter de morsure. Donc je vais aller direct à la Pokéball. J'ai 14 Pokéballs donc ça va. Je calcule, je vais calculer. Résumé, attaque défense. Défense non, c'est trop risqué. C'est trop...
trop risqué, tu vas. T'as trop PV, t'as trop peu de PV, t'as. Il va pas se laisser capturer, hein. Je vais essayer de l'affaiblir légèrement plus avec les chouilles. Voilà. Voilà, je vais essayer de l'affaiblir plus avec les chouilles. Plus il m'énerve mieux, d'accord. Bon, après, je vais pas plus loin. Hein. Ça tombe bien que la précision baisse, j'ai pas envie d'aller plus loin, donc je vais aller à la Pokéball. Mais on a une excellente team en fait. Ouais, non, j'ai déjà appelé un Pokémon. Blackbone, je vais pas l'appeler Graypone quand même. Armure fer. Shieldosaurus? Non, c'est non. C'est mauvais. Shieldosaur. Moi, ouais, je vais l'appeler Shieldosaur. Ça va être cool. Shieldosaur. 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 Ça c'est cool. Shieldosaur. La team qu'on a, mais regardez-moi cette team. Est-ce que vous pouvez avoir meilleure team? J'en doute fort. J'en doute fort. Salut, je suis un électron, j'ai grêle. Allez, remonte-neige. What? Oh non, Sonic Boom c'est vraiment une attaque dégueulasse. J'aurais dû faire attention de ne pas les mettre, mais c'est... C'est une attaque qui peut one-shot dès le début de l'aventure. Si vous faites pas gaffe. On tente le coup. Je suis joueur. Ouais, il est niveau 3 quand même. Et je suis niveau 12. Donc, c'est du quadratique, donc ouais. Ouais, ça va. Mais Draco, il peut avoir Draco Rush qui est encore plus flippant. Ouais. Fallait pas que je perde un Pokémon dès le début, quoi. Oui. Oui, il faut pas que je perde un Pokémon dès le début, quand même. Mais bon. Certes, on a une team anormalement bonne, mais il y a des Pokémon. Anormalement. Avec des techniques. Ta-ta-tam. Ta-da-dam. Ta-da-tam. Bon, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter,
vous abonner, regarder d'autres vidéos. Encore merci et bye.